fête de l'humanité 2011 doit être la dernière fête de l'humanité sous le régime de Sarkozy. Chers amis, qui aurait pensé, il y a un an, lors de notre dernière fête, que le paysage mondial se serait à ce point bouleversé? Qui aurait imaginé que tant de peuples auraient pris ainsi avec courage, parfois au prix de leur vie, leur destin en main? Eh bien, nous qui sommes ici, nous qui allons faire et réussir cette fête de l'humanité, je le répète, nous devons nous aussi nous fixer cet objectif de tenir la dernière fête de l'humanité sous le règne de Sarkozy. N'est pas morte. Son idéal vit encore dans des conditions certes totalement différentes dans le cœur de tous les indignés, de tous les insoumis de la planète, de la fête de l'humanité. Nous allons leur livrer ce message. Ensemble, construisons notre propre idéal. Ensemble, indignés de tous les pays, prenons notre destin en main. En fait, ils nous cachent leur vrai projet, au cœur de la violente crise du capitalisme, est d'imposer un autre système. Le système qui serait l'austérité, la précarité, le chômage, l'état de pauvreté à perpétuité pour les peuples sous la dictature de la finance. Eh bien, nous n'allons pas l'accepter. Plusieurs débats dans la fête auront lieu pour traiter de ces enjeux et travailler ensemble à des issues possibles. La fête va constituer un grand forum des forces sociales, syndicales, progressistes, européennes contre la crise et l'Europe du capital. La fête de l'humanité sera le lieu où pour la première fois, pourront se rencontrer les acteurs des révolutions arabes et les indignés de toute l'Europe. Nulle part ailleurs comme ici ne brille cette flamme de l'internationalisme. Elle sera la fête de ceux et celles qui aspirent à d'autres solutions que ce capitalisme financier. Ce capitalisme financier qui s'est mis au-dessus de l'humanité. Et nous ici, nous allons discuter sur le fait de savoir comment le mettre au banc de l'humanité. Nous aurons aussi, une nouvelle fois et plus encore que d'habitude, la fête de la jeunesse. Accueillons-la à bras ouverts. Écoutons-la, ils vont venir ici, les indignés de Paris et de toute l'Europe. Écoutons-les, ceux et celles des pays arabes, pas comme vient de le faire le petit hôte de l'Élysée qui vient de se payer, comme par hasard, un petit meeting à Benghazi alors qu'il vient de décider les gens là-bas et de faire la guerre. On n'a même pas la démocratie dans aucun pays au monde. On n'amène pas la souveraineté populaire par les bombes et c'est totalement indigne qu'un président de la République a condamné sur les cendres des débris des maisons et des hôtels qu'il vient de détruire là-bas. Nous allons les accueillir, nous ici, mais en fraternité, la main et le cœur ouverts. Les jeunes des pays arabes, les jeunes du Chili, de l'Espagne, d'Israël, d'Italie, du Royaume-Uni, qui sont à la pointe d'un mouvement extrêmement nouveau, qui ressemble à celui de la fin des années 60 et pose de puissantes questions. Remarquons leur persévérance et la force de leur nombre, et ce, sur une longue combinaison pluraliste, de grandes confrontations politiques à gauche sur les options possibles et les choix de société vont se tenir durant ces 3 jours de fête. C'est ici